Elles apporteront plus de souplesse pour les personnes qui se déplacent en fauteuil roulant d'un papier été. Ces rampes d'accès sont en cours de réalisation. Entre le pont de l'Est et le front de mer, il y en aura une quinzaine. La commune entreprend des travaux pour améliorer l'accessibilité du centre-ville au PMR, mais pas seulement. Avec des poussettes, des parents se heurtent par exemple à des obstacles. Ce carrefour rue Paul Gauguin est l'exemple concret d'une ville construite avec des règles d'urbanisation aujourd'hui dépassées. Le souci à l'époque où ces constructions se faisaient, c'est que les gens cherchaient à se mettre hors d'eau et à éviter justement d'être inondés en cas de forte pluie, d'où des différences de niveau et surtout des marches relativement importantes au rez-de-chaussée et dans les galeries pour pouvoir accéder, notamment pour les personnes à mobilité réduite. À Papété, les déplacements en fauteuil roulant sont un parcours semé d'embûches. Entre les véhicules mal garés, des marches à franchir sur les trottoirs ou des passages piétons difficilement accessibles, le paysage urbain manque d'aménagement. La fédération Tenuo Teuma souhaite établir avec la mairie un échéancier sur 5 ans par exemple. C'est de voir avec la commune de cibler les lieux de la capitale où les personnes handicapées s'y rendent souvent, de commencer à rendre accessible par rapport à ça, par rapport aux besoins des personnes PMR, parce qu'il y a quand même des quartiers où on y va très rarement. Donc il y a des quartiers en ville où on doit souvent s'y rendre, et c'est par rapport à ça qu'on aimerait bien travailler. Des bandes podotactiles destinées aux malvoyants sont également en cours d'installation au passage Clouté. Elles permettent de prévenir du danger. Papété compte au moins 300 passages piétons dans son centre.